Quel honneur et quel privilège d'accueillir leurs Altesses sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco, en notre belle ville de Danemarie. Notre commune de plus de 2300 âmes est un bourg-centre rayonnant sur un territoire intercommunal de plus de 20 000 habitants. Elle compte 45 associations, une centaine de commerçants et artisans contribuant au dynamisme de la ville. Nous bénéficions d'une offre culturelle riche et diversifiée, avec une salle de spectacle et de cinéma, une médiathèque ludothèque et un musée mémorial de la Première Guerre mondiale. Danemarie a été durement éprouvée au cours de son histoire, de par sa position de porte de l'Alsace, au débouché de la trouée de Belfort. La ville est dévastée par la guerre de 30 ans, se situe à 8 km du front entre 1914 et 1918. Alors qu'elle est reconquise par les troupes françaises dès le début de la guerre. Puis est à nouveau le théâtre d'affrontements violents lors de la libération le 27 novembre 1944, dont nous commémorerons les 80 ans cette année. La visite d'aujourd'hui est historique à plus d'un titre. C'est la première visite d'un chef d'État dans notre ville depuis 1959 et la venue du général de Gaulle, alors président de la République. D'autres visites illustres avaient eu lieu pendant la Grande Guerre à Danemarie, alors la vitrine de l'Alsace reconquise. Le président de la République Raymond Poincaré et le roi d'Italie Victor Emmanuel III. Les liens qui unissent Danemarie et la famille princière n'ont été découverts qu'en 2018, lors de la parution du premier tome de l'histoire de notre ville, consacré à l'époque médiévale. L'historien Philippe Lacour a mis en évidence, à travers l'étude de documents inédits, que la fondation de l'église de Danemarie est due au comte de Ferrette, vos ancêtres. J'ai donc naturellement proposé au conseil municipal, lors de sa séance du 20 octobre 2020, de baptiser la rue derrière le cœur de l'église, passage des comtes de Ferrette, en signe d'hommage et de respect envers les fondateurs de Danemarie. C'est ce même respect que nous vous témoignons en vous remettant dans quelques instants la médaille de la ville. Au nom du conseil municipal et de la population de Danemarie, recevez mes chaleureux remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation et honoré de votre présence cette inauguration. Nous espérons que vous garderez un bon souvenir de votre séjour chez nous et vous souhaitons un bon voyage en Alsace. Vive Danemarie, vive le Sungo, vive l'Alsace, vive Monaco et vive la France! Au nom de la princesse Charlène et de moi-même, nous vous remercions infiniment pour votre accueil, monsieur le maire. Et nous vous remercions aussi de cet hommage fait à nos ancêtres, les comtes de Ferrette, par l'inauguration de cette plaque qui dénomme ce passage, le passage des comtes de Ferrette. Vous l'avez rappelé, voilà, c'est l'histoire qui nous réunit et nous sommes très heureux de célébrer avec vous et de commémorer avec vous ces liens historiques. Mais bien sûr, en s'appuyant sur cette histoire commune, eh bien, je le dis souvent pour tous les lieux qui ont un lien avec la principauté, eh bien, c'est aussi ensemble que nous pouvons envisager l'avenir et voir quelle synergie et quelle possibilité s'offre à nous à notre époque. Merci infiniment pour malheureusement ce trop court passage ici à Danemarie, mais il y a d'autres
notre lieu, et on nous attend à table. Mais vraiment, nous sommes très sensibles à votre accueil, très sensibles à cette marque d'estime et de célébrer ensemble ces liens qui nous unissent. Merci infiniment. Présence de la famille de la dynastie de Grimaldi à Monaco.